Et re tout le monde, donc on continue la suite de l'épopée de Final Fantasy XIV. Toujours autant de bon, hein. Par contre, pour choper la quête, on va le délai. Bienvenue. L'emportée du chevalier dragon. On va tous partir pour Ishgard. Hop. Ils auraient pu faire une TP groupée. Hein. Alors. C'est pas vraiment, on a plus de chance de retrouver ce type. On va y aller un petit peu à pied. Hein. Alors. Ah, si ça continue comme ça, je pense que même pour les tags, ça va aller assez vite. Hein. Clairement, il y a du monde. Même ici. On va voir ça. L'aérodrome. Ce qui est bien, c'est que là maintenant, en fait, on a qu'à suivre les. La plupart des gens, puisque tout le monde se rend au même endroit. Alors, ici. Ça va, il n'y a pas trop de monde, hein. Pas full. Pas destiné en vue. Du moins, personne qui correspond à la description qu'Alfino m'a faite de lui. Tout est si calme. Si le dragon céleste était vraiment dans les parages, je pense qu'on aurait déjà entendu quelques clameurs à son sujet. Eh bien, c'est un vrai petit comité d'accueil. Ça me change de votre trésorière. Néanmoins, j'imagine que ces retrouvailles n'ont rien de fortuit. Ma, je ne vais pas bouder mon plaisir de revoir un visage familier. Un visage familier? Attendez un peu. Dis donc, Alfino, c'est moi ou les traits de ton visage se sont durcis? C'est à peine si je te reconnais. Hé, hey, camarade, c'est quoi son problème au petit? Il a avalé sa langue? Je ne suis pas Alfino! Ta
assez proche de lui pour lui caresser la tête et t'arrives même pas à le reconnaître. Faut pas pousser. Et puis c'est quoi cette remarque de Goujat? Des traits durcis? Pff, n'importe quoi! Ça débarque à l'improviste et ça se permet de balancer des « Hey camarade » à notre ami? Même moi, je me le permettrais pas, alors qu'on a littéralement élevé les Parsis ensemble! Le grand Estinien, l'un des principaux acteurs de la guerre du Chant des Dragons. À la fois le tombeur de Nidhogg et l'instrument de sa vindicte. L'inoubliable dragon céleste en chair et en os. J'en frémis d'excitation. Mais c'est quoi leur problème à ces deux-là? Est-ce que ça va? J'ai entendu Alizée crier. Estinien, nous vous avons cherché partout. Navré du quiproquo. Je pensais vous avoir déjà parlé de ma sœur jumelle, mais il faut croire que non. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas enguirlandé comme ça. Ceci dit, j'aurais très bien pu t'adresser la même remarque qu'à ta sœur. Ton visage a changé, et en bien. Il respire davantage la maturité. Merci. Ça m'aurait embêté qu'on me voie toute ma vie comme un garçonnet. Regardez-le sur son petit nuage. Quand il était petit, Alfino n'aimait pas qu'on joue les grands frères avec lui. Ça le mettait très mal à l'aise. Alors qu'aujourd'hui, il s'ouvre volontiers à Renwald. Ou à cet Estinien. Ils sont si proches que ça, tu crois? Tu me diras, s'il est épanoui dans ses relations, je ne peux que m'en réjouir. Je vois que vous n'avez pas chômé. Pour ma part, je comptais emprunter un aéronef pour me rendre à Azisla. Azisla? Bon sang, mais c'est bien sûr. Il y a une dragonne ancienne là-bas qui peut nous renseigner. Tiamat, la compagne de Bahamut, celle dont le chagrin l'a poussée à le ressusciter sous forme de primordial. Aujourd'hui encore, elle demeure prisonnière sur le continent défendu. Je vois. La première invocatrice du primordial Bahamut est sans doute la mieux placée pour comprendre la nature de cette nouvelle incarnation. Que diriez-vous d'y aller ensemble? Nous avons un aéronef à disposition. Je n'ai aucune raison de refuser, mais est-ce que ton adorable sœur Ed voudra bien de moi à bord? Pourquoi pas? Mais gare à toi si tu me confonds encore avec Alfino. Ce qu'il m'agace avec son air cabotin! Et dire qu'on me l'a décrit comme quelqu'un de charmant. C'est vrai qu'il est très différent de l'image livresque que j'avais de lui. Mais Alfino semble beaucoup l'apprécier, alors qui sait? Peut-être serons-nous à notre tour séduits à l'issue de cette aventure. C'est déjà terminé.
Bon, bah, on va arrêter cet épisode-là et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy XIV.